Pouh. Et voilà, l'étape est terminée. C'était dur aujourd'hui, hein. Mais là, en revanche, je vais aller voir si ma douche est d'or. Elle est toujours la dernière à s'endormir. La minute du tour. Mais alors, ma petite charcute, t'es encore debout, toi, à cette heure-là? Tu t'es pas endormie? Regarde, toutes tes copines, elles dorment. Je suis très fier, hein, sur ton étape du jour. Demain, il y a une étape. Ça va encore être difficile. Et tous les Français et Françaises, hein, tous ceux qui sont au bord de la route, et compte sur toi, hein, d'accord? Moi, je veux que tu dormes avec des rêves plein la tête. Alors, je vais te lire une petite histoire. Ça va t'aider à faire de beaux rêves et à t'endormir facilement. Il était une fois, ou peut-être même deux, une deux chevaux très courageuses, qui, avec ses sœurs et deux copines, s'attaquaient chaque été à de très grands cols et à de méchantes montagnes. Elles étaient aidées par des milliers de cris qui l'apportaient et lui donnaient beaucoup de courage. En échange, elles transportaient des tonnes de petits saucissons secs et des bobs cochonous qui donnaient énormément de plaisir aux gens. C'est bien. Allez, dors, ma petite puce. Dors, ma petite charcute. Mm-hmm.